gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors aujourd'hui je vous ai pas trop amené avec moi, tout simplement parce qu'en gros je suis allée faire mes achats de Noël. Donc j'ai acheté des cadeaux pour ma famille et mes amis. Et en fait j'ai été faire ça donc dans le centre, vers Oxford Street et Piccadilly. Et en fait j'ai déjà fait ça dans plein de vidéos, enfin je vous emmène avec moi à chaque fois que je vais là-bas. Du coup je me suis dit que c'était pas hyper intéressant, enfin il y a rien de spécial à voir. Les décos de Noël je vous les montrerai en détail plus tard parce que c'est mieux de les voir de nuit. Et puis en plus de ça, enfin franchement j'étais super chargée. Dès le premier magasin j'avais les mains prises dans tous les sens, enfin franchement c'était hyper galère. Mais du coup j'ai quasiment pas filmé ce matin, enfin cet après-midi même, parce qu'en vrai ça m'a pris grave longtemps. Je suis rentrée à 16h, je suis partie à 11h ce matin. Non, je suis arrivée à 11h au magasin, donc ça veut dire que je suis partie à 10h de chez moi et je suis arrivée ici à 16h, donc autant vous dire que déjà je crevais la dalle. Mais bref, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, alors que j'ai pas beaucoup de cadeaux à acheter cette année parce que je fais Noël à Londres, donc en fait je veux le faire qu'avec mon copain, donc j'ai acheté des cadeaux pour lui. J'ai quand même acheté des cadeaux pour mes parents, même si je le fais pas avec eux, et j'ai acheté des cadeaux pour mes copines qui arrivent très 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 bientôt, voilà. Du coup en soi j'avais pas grand chose à acheter, mais honnêtement j'avais pas énormément d'idées, donc j'ai un peu erré dans tous les magasins et ça m'a pris du temps. Et puis aussi j'ai acheté quelques trucs pour moi, du coup j'ai vraiment pris du temps quoi. Disons que je suis restée une heure à Primark, une heure à Zara. Zara c'était ni pour ma famille ni pour mes amis, oups. Mais bon bref, je vous montre du coup ce que j'ai acheté. Du coup je vais commencer par ce que je me suis acheté à moi. Je me suis acheté ce beau pull de Noël, je vous le montre. Je l'adore, franchement, il est trop beau. Je l'ai pris chez les mecs, chez Primark, parce qu'en fait, je voulais m'acheter un pyjama de Noël chez Primark. Mais déjà, j'ai rien trouvé de très beau. Et en plus, je trouvais que c'était un peu cher pour un truc de Noël que je vais mettre trois fois, quoi. Donc déjà, j'ai renoncé au pyjama, je me suis dit, ok, achète-toi juste un pull. Mais en fait, les pulls, ils étaient un peu chers et ils étaient pas très beaux. Et en fait, quand je suis allée au rayon mec, j'ai vu des trucs sympas. Je le trouve assez marrant. En fait, chez les mecs, ils faisaient des pulls drôles, alors que chez les filles, ils faisaient des pulls mignons. Du coup, celui-là, je l'adore. Je l'ai payé combien ? Je l'ai payé 12 livres. Bon, c'est quand même pas donné pour un truc que je vais mettre aussi peu de fois. Mais en vrai, il est grave confortable. Donc, il y a moyen que je le mette en dehors des périodes de Noël. Ah, j'ai oublié un truc dans ma tenue de Noël. Petites chaussettes. Elles sont trop cute. Elles venaient en paire. Enfin, en paire. C'était un lot de deux paires. Donc, avec, j'avais des comme ça. En vrai, j'en ai déjà des comme ça. Et j'ai aussi des chaussettes avec des rennes. Elles sont trop belles. Mais j'adore les chaussettes de Noël. Et j'adore les chaussettes épaisses en moumoute. Donc, ça, c'est des trucs que je vais mettre toute l'année. J'adore. Et je les ai payées 2,50 €. Ah, j'ai oublié l'élément principal de ma tenue de Noël. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je vais pas sortir avec, hein. Mais je l'adore. Vraiment, je l'adore. Il est trop mignon. En fait, je voulais un serre-tête de Noël. Pour la petite histoire, j'ai travaillé dans un café pendant un an. Et c'est là où j'ai rencontré mes copines, bah, qui arrivent bientôt, du coup. Et en fait, quand on avait fait Noël au café, Alison, elle nous avait ramené des serre-têtes de Noël. Faut savoir que moi j'avais dû porter le plus ridicule, genre elles avaient des trucs trop mignons avec des petits cerfs, des petits bonhommes de neige, et moi j'avais un gros sapin qui clignotait, donc on voyait que moi dans le centre commercial, enfin genre c'était la honte. Mais c'est pas grave, c'est toujours pour moi, de toute façon les trucs comme ça. Du coup je voulais absolument un serre-tête, et j'ai pris le moins cher en fait. Je l'ai payé 1,50 €. Et mon dernier achat de Noël, je me suis acheté un petit mug avec un kit pour faire des chocolats chauds. Voilà, il y a marqué Hello Winter. Et je le trouve trop beau. Je l'ai payé 6 livres quand même, c'est pas donné. Bon, il y a de quoi faire du chocolat chaud avec, donc c'est cool. Ah, et je me suis aussi acheté, rien à voir avec Noël, je me suis acheté un short Adidas. Bon, rien de bien fou, hein. Ça me sert pour rester à la maison. Failli pas l'acheter parce qu'en fait, j'aime pas trop le fait que les bandes soient noires. J'aurais préféré des bandes blanches. Mais en fait, il y avait des promos. Et en fait, il avait l'air trop confortable. Et vraiment, comment je suis contente de l'avoir acheté. Genre vraiment, il est hyper confortable, je l'aime trop, je sens que je vais pas le quitter. Je pense que je vais même aller m'en racheter un deuxième parce que bah faut bien que je le lave quoi. Mais parce que vraiment il est tout doux, il est moelleux, il est trop confortable, je l'adore. Enfin bref, cette vidéo elle est pas faite pour parler de moi mais bien des cadeaux de Noël que j'ai acheté. Donc on va commencer par le cadeau de mon papa. Alors mon père, vous savez les mecs c'est compliqué de leur trouver des idées de cadeaux. Mais mon père, en fait les mecs de ma famille c'est encore plus compliqué. Par exemple je prends mon père et mon frère, c'est des mecs qui... En fait il y a des mecs qui veulent rien. Tu leur dis tu veux quoi pour Noël, ils disent rien, je veux rien. Genre tu peux même pas lui dire bon bah je vais lui acheter un beau t-shirt ou un beau pull, parce qu'en fait il s'en fout complètement. Il a pas envie d'un t-shirt, il a pas envie d'un pull. Du coup c'est galère. Et mon père en fait quand on trouve une idée de cadeau, on exploite le filon jusqu'au bout.
Donc c'est-à-dire que quand il s'est mis à faire du potager, tout le monde lui achetait des trucs de potager. Donc c'est la solution de dernier recours, on va dire. Mais en vrai, il commence à avoir ce qu'il faut quoi niveau matériel, parce que ça fait 5 ans au moins que tout le monde exploite le filon. Du coup, je lui ai racheté un short de sport parce qu'il en a besoin. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que vu que cette année on va pas fêter Noël avec mes parents, c'est la première fois qu'on fait pas Noël, puisque même si mon frère ça fait longtemps qu'il habite plus avec nous, moi c'est la première fois que je suis pas là, donc ils sont vraiment sans les enfants cette année. Donc je crois qu'ils sont un petit peu tristes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, vu que mon frère il est en France en ce moment et que moi je suis ici, je vais acheter une partie des cadeaux et lui il va acheter une partie des cadeaux, et lui il leur donnera une partie et moi je leur donnerai l'autre partie. On fera tout ça en FaceTime, comme ça ils auront leurs cadeaux en deux parties, même si ce sera pas au moment de Noël. Et du coup, moi pour mon père, j'ai acheté un short tout simple hein. C'est un short Nike que j'ai acheté chez Sport Direct. En vrai, je voulais acheter un short noir, mais il n'y en avait pas. Ils étaient trop longs et mon père, il aime pas les shorts quand ils sont trop longs. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il est sympa. Et en général, s'il met pas du noir, il met du bleu marine. Et mon frère, de son côté, il va acheter soit un jambon en Espagne, parce que bah, mon père adore le jambon. Et mon frère part une semaine en Espagne, ou deux semaines, enfin je sais pas, mais il part un peu en Espagne. Soit il va acheter une pelle pour le jardin. Voilà. Ensuite, pour ma mère, pareil, on fait le cadeau en deux parties. En gros, son anniversaire, donc c'était il y a deux mois, elle nous avait demandé un sac qu'on lui a pas acheté, parce qu'en fait on avait fait un cadeau pour mes deux parents ensemble, du coup on lui avait pas acheté le sac. Mais j'ai demandé à mon père et apparemment elle se l'est pas acheté, donc on va lui acheter ce sac parce que c'était il y a seulement deux mois, donc je pense qu'elle le veut encore. Mais il est pas disponible en Angleterre, donc c'est mon frère qui se chargera du sac. Et moi du coup j'ai juste pris une écharpe pour aller avec. Elle est trop belle, je l'ai achetée chez H&M. Franchement, je l'aurais bien gardée pour moi. Je l'adore, enfin vraiment, elle est hyper douce. Elle est trop belle et comme c'est un sac bah, marron, ils vont bien ensemble. Enfin j'espère, parce que j'ai pas vu le sac en vrai. Mais voilà, vraiment je pense que, enfin dans tous les cas, même sans le sac, elle va adorer cette écharpe, je pense. Donc voilà pour mes parents, j'ai une partie des cadeaux et mon frère aura l'autre partie. Et on fera ça du coup, comme je l'ai dit, en FaceTime. Ensuite, pour mes copines, alors mes copines, je vais leur faire une petite boîte chacune. En gros, cette année on n'a pas vraiment prévu de faire Noël, puisque bah je suis pas là à Noël. Mais l'année dernière on s'était fait un Noël entre copines, on s'était offert bah, nos cadeaux et tout. Et c'était trop trop cool. Du coup, comme là elles viennent dans quelques jours, je me suis dit que j'allais leur faire des petits cadeaux et qu'elles allaient être contentes. Mais le problème, c'est qu'elles viennent en avion et qu'elles ont même pas de bagage cabine. Elles ont juste un sac, genre un sac à dos 30 litres, enfin tout petit quoi. En fait, elles ont même pas le droit à un bagage cabine, juste un bagage à main, genre un sac à main ou un sac à dos. Donc elles vont vraiment vraiment pas avoir de place. Donc je me suis dit, il faut que tu leur prennes des petits cadeaux. Et c'était vraiment histoire d'eux, parce que j'ai pas acheté des trucs de ouf. En gros, je leur ai fait à peu près la même chose pour les deux, à savoir que je leur ai acheté chacune un masque pour le visage. Donc j'en ai un. C'est un masque en forme de tête de lion. Et l'autre, c'est un masque à paillettes. Donc je sais pas encore lequel sera pour qui. Je pense que les paillettes, ce sera pour Cam, parce que Cam, elle fait tout le temps sa princesse. Et le lion, ce sera pour Allison, parce que Allison, elle rugit beaucoup, comme un lion. Voilà. Avec ça, je leur ai acheté de l'alcool, parce que mes copines, c'est des alcoolos. Voilà, désolée pour leur famille. Du coup, j'ai un... En fait, ces petites canettes-là, c'est trop bon. Genre, ça se boit comme de l'eau. Que mes copines, c'est des alcoolos. Et du coup, j'ai pris Pink Gin and Diet Lemonade. Et l'autre, c'est un mojito. Donc, je pense que celui-là, ce sera pour Camille, le gin, et le mojito pour Allison. Et ensuite, je leur ai pris des gloss Fenty Beauty. C'est le même que j'ai là, sauf que moi, j'ai la couleur, je sais plus comment elle s'appelle, mais le transparent. Et j'en ai pris un dans les rouges bordeaux pour Allison. Et un genre rose nude pour Camille, parce que je sais que Camille, elle met moins de rouge à lèvres. J'ai un peu hésité dans le magasin, j'ai hésité à leur prendre une palette. Sauf que l'année dernière, j'avais offert une palette Urban Decay à Allison. Et Camille, elle se maquille pas trop les yeux, enfin elle met juste de l'eyeliner et tout, donc je pense pas qu'elle l'utilise. Mais en même temps, je les vois pas souvent mettre du gloss, donc je suis pas sûre qu'elle veut en mettre, mais je les imagine très bien avec du gloss. Donc moi je l'adore, donc je leur ai pris le même en une couleur chacune. Voilà pour leurs cadeaux. Il reste plus que les cadeaux de mon copain. Alors, je lui ai aussi pris un short Adidas cette fois, parce que il adore ce genre de short. C'est pas un short en matière comme le mien, c'est un short en matière sport, parce qu'il porte toujours des shorts comme ça. En vrai, quand il a vu mon short, il a dit ah, trop bien, je le veux. Donc je me suis dit ah, j'aurais pas dû lui acheter ça du coup. Peut-être que j'irai le changer, peut-être pas. En vrai, je sais qu'il préfère les vêtements noirs, donc je me dis ça c'est pas mal et je pense qu'il va bien aimer aussi. Surtout que mon short, je pense qu'il est trop court pour lui parce qu'il est assez grand. Donc ça, ce sera mieux. Je voulais lui acheter un sac à dos parce qu'en fait, petite anecdote, on est allé en boîte pour Halloween et c'était pas du tout prévu parce qu'il avait été au travail avant, donc il avait un gros sac à dos. Et en gros, comme les rats que nous sommes, on n'a pas voulu payer le vestiaire. Donc on a essayé de rentrer 4 manteaux dans son sac à dos, dont 2 doudounes. Enfin, autant vous dire que le sac à dos, il a explosé d'un coup. Genre vraiment, il a explosé. Donc déjà, lui, il a passé la soirée avec le sac à dos énorme qui pendait jusqu'à ses pieds. Moi, ma doudoune blanche qui arrêtait pas de tomber, elle est devenue marron. Enfin bref, c'est une galère. Mais tout ça pour dire, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, il a plus de sac à dos. Du coup, je voulais lui offrir un sac à dos. Sauf qu'en fait, déjà, j'ai peur qu'il s'en rachète un avant Noël. Et en plus de ça, monsieur veut acheter exactement le même sac à dos que celui qu'il avait avant.
sauf qu'il n'existe plus, donc il va chercher, enfin bref, je savais que moi ce que j'allais lui acheter ça allait pas lui plaire, quand il a une idée précise en tête pour pas chercher, du coup j'ai pas acheté de sac à dos. Je vais sûrement lui acheter des jeux FIFA, mais je sais pas encore lesquels, parce qu'il vient s'acheter une PS4, sauf que je vais les acheter au dernier moment, parce que je suis sûre qu'il va s'acheter des jeux d'ici là, donc j'achèterai les jeux au dernier moment, histoire d'être sûre de pas acheter les mêmes. Et je lui ai acheté, alors ça j'ai trouvé ça chez Primark, je sais pas ce que ça vaut, une machine pour faire les glaces, parce qu'il adore les glaces. Je crois que c'est pas compliqué à faire une glace, donc je pense que ça va le faire. Il va bien aimer. Bon, au final, cette vidéo, c'est pas un vlog, mais à partir du moment où on parle de Noël et que la vidéo sort au mois de décembre, je considère que c'est un vlogmas. Je pense que la vidéo est super rapide, mais en même temps, j'ai passé ma journée à galérer dans les magasins. C'était pas très passionnant, quoi, donc je vous épargne ça. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like. Si jamais il y a des trucs que vous avez envie de voir à Londres pendant la période de Noël, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de le faire pendant le mois de décembre. Et si jamais vous voulez voir mes autres vlogmas, je vous invite évidemment à vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche pour pas louper mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à demain. Bisous, ciao. J'adore ce serre-tête. Ciao.